Bonjour. Je suis très content d'être devant vous aujourd'hui. C'est mon 6e WordCamp, mon premier en tant qu'orateur. J'ai faim, tout comme vous. Un peu stressé, certainement, comme beaucoup, merci. Je trouvais intéressant de faire un retour d'expérience sur un client qu'on a eu l'année passée, pour qui on continue à travailler, donc NMC, le logo est là. C'est un grand compte et voilà, l'idée est de montrer comment une petite structure comme la nôtre a pu, sur base de WordPress, mettre en place des outils qui répondent à la demande d'un groupe qui représente plus de 1500 personnes à travers le monde. Voilà, petite présentation avant de commencer. Je m'appelle Benjamin Pierson, je suis web designer de formation. J'ai exercé ce métier-là pendant 4 ans en agence. Je me suis installé en tant que freelance. On est 8 ans et demi après. On est une agence de 5 personnes à faire des sites web sur mesure sur base de WordPress. On s'appelle Noumia et on est basé à Liège en Belgique. J'espère que ça ne s'entend pas trop à l'accent. Justement, la Belgique, c'est mon préambule. Je vais vous donner faim là, par contre. C'est un peu différent de la France. Voilà, c'est un petit pays, je vous apprends rien. On est 6 fois plus petit que vous ici en France en termes de population. Et en plus, on est divisé en 3 communautés linguistiques. Ça n'aide pas. Les Wallons, les Flamands, les Germanophones. On a peu d'agences spécialisées WordPress. Peu d'experts, évidemment on est moins de travailleurs du web, mais même proportionnellement il y a un retard à ce niveau-là, et par extension c'est la popularité de l'outil qui est en retard. On voit ça notamment dans l'organisation des WordCamps. On en a un seul qui est à Anvers, dans sa 2e édition la semaine passée, quelques meet-up Anvers-Bruxelles, on a lancé Liège l'année passée, mais ça s'arrête presque là. Alors c'est très négatif, ça vous donne pas vraiment envie de venir travailler chez nous, manger plus des frites et boire des bières, mais pas du tout où je veux en venir. C'est justement qu'il y a encore un positionnement, en tout cas chez nous, mais j'ai cru comprendre aussi en France, qui est possible pour des petites structures, des gens qui veulent se lancer dans WordPress maintenant et faire de la qualité sur cet outil-là. Il y a une place à prendre, que ce soit sur les moteurs de recherche, mais dans le marché en général. Merci à vous, parce que c'est justement à la communauté WordCamp Paris. En 2015, janvier 2015, quand j'ai quitté Paris, j'ai décidé pour l'agence de me positionner sur WordPress. Jusqu'à 2015, on utilisait WordPress comme outil. Après 2015, c'était notre principal argumentaire de vente et on s'est réellement positionné. C'est notre H1 sur notre site. D'ailleurs, il a été repris dans une conférence. On nous a dit que c'était pas très bien. Voilà, on est une agence web WordPress. Donc, ça nous joue des tours, c'est sûr. On n'est pas spécialement convié à certains appels d'offres, parce qu'il y a encore les détracteurs de WordPress. Mais comme des clients, pour des clients NMC, comme NMC, c'est intéressant. On a été appelé aussi pour ça. Un petit mot sur l'appel d'offres, justement. À gauche, ce qu'on savait, en tout cas, on a vite appris. À droite, sur quoi on a misé. On était 8 agences dans l'appel d'offres. Une répartition assez intéressante, 50-50. Donc, on savait que si on pouvait faire mouche sur l'open source, on pouvait déjà effacer la moitié de nos concurrents. Et c'est ce qu'on a fait. On a directement tapé le clou WordPress. Les références clients, on avait eu l'occasion de faire des sites pour RTL, pour Fun Radio, pour l'Université de Liège avant. Donc c'est des choses qui rassurent le client, évidemment. Le positionnement, ben, comme je disais, on est une des rares agences web WordPress en Belgique. L'implication, alors il y a des gens beaucoup plus impliqués dans la communauté ici dans la salle, mais à notre niveau, le fait d'être... d'avoir fait les meet-up à Liège, d'être bénévole au WordCamp à Anvers, ben ça rassure quelque part le client. Justement, ce client, sa demande était très précise. Ça nous a mis directement confiance. On a joué franc jeu dès le début. Il cherchait une agence pour faire des sites basés sur un outil le plus facile possible. Le client s'y connaissait, donc le digital marketing manager en interne faisait des sites après journée. Donc la demande, c'était pas, il n'y avait pas de développement mobile, il n'y avait pas d'études SEO, c'était une agence externe qui la faisait, il y avait déjà toute une étude de persona qui était faite, donc il cherchait réellement une agence web, et on a joué franc jeu. Pour ce type de demande-là, on était, pour nous, le meilleur rapport qualité-prix, et c'était avec nous qu'ils devaient travailler. Alors ça a fonctionné, ils nous ont choisi, tant mieux. Alors j'aurais pu faire des slides pour expliquer qui était NMC, j'ai une vidéo de 40 secondes qui explique ça, j'espère qu'elle va passer.
Voilà. L'activité principale d'NMC, c'est la transformation des matières synthétiques. Nous sommes spécialisés dans la moussation des polymères et nous développons plein de produits pour des applications diverses, notamment pour le bâtiment, pour l'emballage, le sport et le loisir et pour les solutions industrielles. Nous sommes actifs au niveau commercial, vraiment dans le monde entier, principalement avec tous nos produits de décoration que nous exportons au départ d'Anaten dans 100 pays au monde. Et pour le reste, nous avons donc des unités de production en Russie, en Finlande, en Suède, en Angleterre, en Allemagne, bien sûr en Belgique, où nous sommes proches des clients avec nos produits pour l'isolation technique et l'emballage. Voilà, la moussation des polymères. Donc, c'est eux qui font les grosses frites avec lesquelles vous vous battiez quand vous étiez gamin dans les piscines voilà, en mousse. Un petit récap de la demande. Il y avait 3 sites. 5 au final, parce qu'on voit ici qu'il y a du multisite. Un premier site, le site de la décoration, 7 langues minimum, multi-pays. Alors, c'est multisite, mais il y a une variante multi-pays. Donc, ça, on va en parler plus tard, qui était un peu différente. Un catalogue produit qui devait aller vers de l'e-commerce à moyen terme, du développement sur mesure, un shop locator, on va le voir, et d'autres. Un deuxième site, plus statique, mais là aussi, plusieurs langues, multisite dans sa définition propre, parce qu'il y aura 3 sites différents dans un réseau WordPress, aussi catalogue produit et quelques développements sur mesure. Un troisième site, que j'espère que vous voyez avec le desk, qui est un espace professionnel, donc un espace sécurisé, où les gens en interne et externe peuvent aller consulter de l'information, donc gestion utilisateur, gestion des droits en conséquence, etc. Une première étape, j'en parle en un slide, c'est on fait du sur-mesure, donc on a, et c'est notre métier de base, on est des designers à la base, donc on a une étape wireframe, design, on utilise une vision et craft, mais je vois que c'est pas ma dernière version de slide. Voilà, ce qui est important de dire, c'est qu'on a pu m'occuper l'entièreté des écrans avant de passer au développement. C'était une première, 38 écrans, 38 wireframes, 38 web design, c'est beaucoup. Mais pour les développeurs, c'était assez gage de qualité d'avoir ce matériel-là à disposition. J'ai une capture d'écran d'une vision, si encore un designer qui n'utilise pas des outils comme ceux-là pour gérer les retours clients, bah, qui aille voir ce que c'est. Alors, je suis web designer, je ne suis pas le plus technicien, je ne vais pas vous montrer des lignes de code, j'ai mes gars qui sont là, ils peuvent vous en parler, mais je vais essayer de vous expliquer un peu les outils qu'on met en place, enfin qu'on utilise, les modules, non, les extensions, pardon, et peut-être voir quelques cas pratiques de développement sur mesure fait pour NMC. On commence par le thème. On ne part pas de thème premium, jamais, ni même de Bones ou Underscore, des thèmes blancs. On a notre propre starter thème qui comprend quelques outils. J'en ai listé quelques-uns les plus logiques. Composer pour les librairies PHP, Gull pour les tâches automatisées. On fait du SAS avec la grille Suzy, donc le préprocesseur SAS. Et certaines librairies, GZAP, c'est GreenSock. Pour ceux qui ne connaissent pas, on a généralisé nos animations avec cet outil-là et d'autres librairies, mais on part toujours de notre thème à nous. Les plugins, j'avais mis extension dans ma dernière version. On essaye de trouver toujours le meilleur compromis en termes de développement, temps passé et donc budget par rapport à la possibilité de dépendre d'un plugin tierce. Pour les fonctionnalités front, on va l'éviter toujours, mais évidemment, il y a certaines fonctionnalités, on ne va pas réécrire un moteur d'e-commerce, en plus, il fonctionne pas mal. Et donc, il y a toute une série de plugins qui correspondent à notre tronc commun, il en manque, oui, qu'on utilise pratiquement partout. J'aime bien ce genre de slide-là, ça permet de, s'il y a peut-être un plugin que vous ne connaissez pas, vous irez peut-être voir et peut-être l'utiliser l'année prochaine et il sera peut-être acté dans votre agence. ACF, tout le monde connaît pour les champs personnalisés, Polylang Pro pour le multilangue, Ninja Forms pour les formulaires, WooCommerce pour l'e-commerce, donc le catalogue produit dans notre cas. TrueEP Broadcast, on va en parler plus tard, c'est le seul plugin, il avait une bullette d'une autre couleur dans ma dernière version, mais c'est le seul qui vient d'une demande client, donc là, propre à ce projet-là. Le client souhaitait pouvoir encoder une seule fois son contenu et le propager sur différents sites du réseau WordPress. Le plugin sert à ça. Yoast SEO
pour le SEO. Redirection, parce qu'on n'utilise pas la version pro, donc tout ce qui est redirection 300, un monitoring de 404 est fait par redirection. WP Migrate DB Pro pour la migration des bases de données entre version staging, développement et production. WP All Import Pro pour l'importation des données dans notre WordPress, dans nos custom post type. WP Rocket pour que notre site aille plus vite. CQPress Pro pour ne pas se faire hacker. WP Smoosh pour l'optimisation des images à l'upload. Et Manage WP pour notre maintenance. Voilà. Donc, je disais, on va passer en revue peut-être quelques développements sur mesure qu'on a fait. J'irai bien là, mais. Premier développement sur mesure, c'est le Shop Locator. Ça consiste en quoi ? La marque est vendue à travers le monde. On affiche une carte pour afficher les revendeurs. Ça permet de les trouver en fonction de sa géolocalisation. Côté back-end, on a un custom post. Type, ah mince, c'est pas dans le même ordre, c'est pas grave. Donc, pour importer ces importateurs, ces revendeurs de marques, on utilise un outil qui est WP All Import, j'en ai parlé avant, donc il est là en bas à gauche. Là, on a le nœud du fichier Excel qu'on va voir par la suite, qui reprend les informations d'un revendeur. On voit qu'il y en a 712 qui étaient présents dans le fichier Excel. Et par drag and drop, on va aller glisser dans les cases pour faire le lien avec nos infos, nos champs du custom post type store qui doit être là. Un fichier Excel, donc une ligne par revendeur. On a notre custom post type store qui est rempli avec les 2730 revendeurs ici. Une taxonomie qui va nous permettre après de filtrer, donc type et range ici, ou d'afficher des informations complémentaires dans la fiche du revendeur. On revient côté front, on a la carte. C'est un fichier JSON qui est généré à l'enregistrement du custom post type. Il contient toutes les informations des revendeurs et on traite ça en JavaScript pour afficher les plots. Par géolocalisation, on est présents à Liège quand j'ai fait la capture d'écran. On utilise Google Maps Distance Matrix API pour définir la distance par rapport à notre localisation. Un deuxième module sur mesure, c'est la page inspiration. Donc l'idée est de pouvoir, je ne sais pas si on a voilà, un zoom, de pouvoir montrer le produit en situation. On a une navigation à facettes sur la gauche, avec différents filtres. On voit Pix Video. Donc photo vidéo, ça va venir des API Pinterest et YouTube. Différents filtres, on va voir comment ils sont construits par la suite. Donc je disais, les API, c'est une tâche cron cette fois-ci, donc c'est pas un fichier XLS qui va chercher une fois par jour les informations dans les API et qui va permettre de les catégoriser. Pour faire ça, on utilise les ID des boards Pinterest, on récupère du coup les noms de ces boards-là, ça en fait le filtre type de produit que vous avez vu en colonne de gauche. Pour l'autre filtre, c'est un système de tags. Du coup, le client entre différents tags qui correspondent aux pièces dans lesquelles on peut trouver les produits. Quand ce mot-là est présent dans la description du pin, il est du pin Pinterest, il est automatiquement catégorisé dans cette catégorie. Voilà, on revient en front. Je ne sais pas si c'est la vidéo, non, c'est la photo. C'est une classe JavaScript qui va en Ajax du coup agir sur les filtres et normalement le load more en dessous en Ajax il va récupérer d'autres informations. Un troisième développement, c'est certainement le plus petit, c'est aussi pour montrer que on pourrait utiliser un plugin pour étendre la recherche de WordPress. On ne le fait pas avec un peu de code. On peut aller facilement étendre WordPress recherche sur le titre et le contenu. Pour les produits, on a étendu ça à tous ces champs, enfin à des taxonomies du custom post type produit. Et donc normalement, vous avez un GIF. Je vais le remettre. Et ça, c'est un GIF qui vous montre l'utilisation à la saisie.
en Ajax, il interroge le serveur et celui-ci il retourne trois propositions de chaque contenu qui va correspondre. Là, on tape Arst, qui est le début d'une des marques, et il nous retourne les propositions catégorisées. Quatrième petit développement pour eux, le module contact, Google Maps assez classique. On a juste ici deux niveaux, donc on veut pointer les pays dans lesquels NMC est présent. On peut choisir par la carte ou par la liste déroulante. En cliquant, on arrive dans le pays en lui-même. Oui. Gestion de multibureau, là on voit qu'il y a trois villes qui correspondent aux trois plots, donc deux niveaux pour afficher les bureaux, les informations générales, une gestion des contacts ici, par bureau ou par pays, en fonction s'il y a des sous-bureaux. Un formulaire de contact à qui on va passer en champ caché à NinjaForm l'email du bureau en question pour changer le destinataire en fonction côté back-end à quoi ça correspond. On a le custom post type office, on va avoir le people ici qui va permettre de gérer, on va le voir plus bas, les contacts, alors les informations classiques, et une ici country correspond à la, on a cliqué Suède, c'est un bureau, c'est la taxonomie country qui est ici pour la Suède, les informations générales, et en bas, ici on fait le lien avec les différents contacts via le champ ACF. Voilà. Le cinquième et dernier développement, c'est l'espace pro. C'était le troisième site dans le récap, de la demande tout à l'heure. Oui, c'est large. Donc, espace sécurisé, login, mot de passe. Une interface type application, j'espère que les contrastes ne sont pas terribles. Ici je suis dans une vue administrateur, donc j'ai accès à tous les menus de chaque filiale. En fonction du type de compte, évidemment on aura plus ou moins de menus. Justement, comment c'est géré? Pour chaque utilisateur, donc pour chaque compte utilisateur dans WordPress, on a un rôle défini, les deux premiers viennent de Yoast. Ici, on a défini différents rôles qui, en fonction, dans les pages, on va pouvoir dire, bah, tiens, cette page-là, c'est que les admins, les architectes, les painters, les peintres. Voilà. Et en fonction, bah, le menu se construit, vous l'aurez compris, quand on se connecte à l'application. Alors, c'est un espace professionnel type extranet, donc c'est beaucoup de consultations de documents, de formulaires et autres. Il y a juste cet écran-là au niveau des médias qui est peut-être un peu plus particulier. On retrouve notre navigation à facettes comme on l'avait en côté front, mais là l'utilisateur peut venir choisir plusieurs médias. Ici on en a coché deux avec un lien qui s'affiche au-dessus pour télécharger les médias. Quand on clique, on a une pop-up où on peut choisir la qualité des médias, basse, moyenne ou haute, et un fichier zip alors est généré sur l'ordinateur de l'utilisateur en Ajax. Voilà, ça c'était les quelques développements, mais je dois vous avouer une chose, c'est que je vous ai menti. Le titre de ma présentation, c'était « Comment WordPress peut répondre parfaitement à un grand groupe ?» Comme NMC, et non, ça n'a pas répondu parfaitement à leur demande. On a eu un souci. Le souci, c'est le multi-pays. C'était une chose qu'on n'avait jamais fait. Multi-site, oui, mais le fait de pouvoir afficher un pays en fonction différent, pour un marché différent en fonction du pays dans lequel nous on se trouve, c'était assez nouveau. Il y a un principe de base, donc un seul encodage. Le client voulait encoder une fois son contenu, son produit, son document, quel qu'il soit, sa news, et pouvoir dire, ben moi je veux qu'il soit en français, en anglais, dans le marché africain, allemand, ou peut-être le Benelux, mais alors là que dans certaines langues. Et on a dû jouer avec cette contrainte-là. Donc un site enfant par marché pays, et évidemment une synchronisation de certains champs. Le nom d'une marque, Arstil, ne change pas qu'on soit en français ou en anglais, qu'on soit en Afrique, en Allemagne, ou en Belgique. Donc ça ressemble à quoi? Ça ressemble à ça. Un site principal où on va encoder, donc le domaine là ne sert
qu'au bac, donc à l'encodage. On a toutes nos informations. Donc là, il y en a produits, revendeurs, documents, news, bureaux. C'est l'encodage des informations. Et on a un envoi, une diffusion sur des sous-sites du réseau qui sont créés marché par marché. Donc là, c'est les quatre premiers marchés qui ont été activés. Ils ont chacun une URL bien propre. Ils ont chacun des langues. Donc l'Allemagne n'est qu'en allemand ou en anglais maintenant. Donc Allemagne, c'est deux langues. Benelux, c'est quatre langues. L'Afrique n'est qu'en une langue pour le moment. Et la France n'est pas encore en ligne, mais dès lundi, ne sera qu'en français. Voilà. On a utilisé TrueEP Broadcast, qui ne s'appelle plus TrueEP, je pense que c'est plus que Broadcast maintenant, pour gérer ça. Et on se retrouve avec une série de problèmes de compatibilité. Il y a une faute énorme, la compatibilité. Voilà, il faut enlever le... C'est pas bien écrit. Avec notamment ACF, Polylang. En termes d'ACF, il y avait des champs qui n'étaient pas pris en compte. Polylang, c'est dès qu'on partageait, qu'on diffusait un produit d'un marché à un autre, on perdait la langue, tout simplement. Encore ce lundi, on a eu des produits qui étaient triplés dans certains marchés avant de mettre en production. Donc on se retrouve dans cette dépendance à un plugin. J'expliquais tout à l'heure qu'on essaie de l'éviter. Ici, on a fait un choix. Un mauvais choix. Le développeur n'avait pas la version pro de Polylang, donc quand on s'est rendu compte de ça, ça a réglé quelques soucis. On lui a donné notre licence pour qu'il puisse débugger son plugin. Voilà, ça fonctionne, mais on est dépendant d'eux pour le moment. Donc attention à ces plugins qui se disent compatibles 100% avec tout un tas d'autres plugins. On voit bien qu'avec des ACF et des Polylang, ça a posé quelques soucis. Je disais cette dépendance, qu'est-ce qui va se passer aux prochaines mises à jour de l'outil, donc de ce plugin-là, de WordPress, d'ACF, de Polylang. Ça va être... on va peut-être falloir serrer les fesses quelquefois, ou en tout cas, faire attention. La mise en ligne, elle a été... c'est dommage. Non, oui. Elle a été en plusieurs étapes. On a fait deux fois la formation, il y avait deux sites donc, qui viennent de deux filiales différentes. Il va y avoir une troisième formation parce que l'espace pro doit sortir bientôt. Et elle a été faite assez tôt parce que les langues, la première langue était intégrée par nous. Après, pour les autres langues, le client voulait avoir la main et intégrer lui-même ses contenus, notamment les contenus statiques. Déploiement en production au compte goutte, j'ai dit qu'il y avait... à la base 7 marchés qui étaient prévus, il y a 3 sites au final, donc il y a un développement qui est assez long. On se retrouve du coup dans une situation où on fait du suivi ticket constant avec le client à partir de la première mise en ligne, où on ne peut pas facturer complètement la fin parce qu'il y a 7 marchés à mettre en ligne. Et voilà, donc ça c'est un peu une situation où on doit être tous les jours sur Basecamp pour régler les petits couacs au fur et à mesure, mais on ne peut pas encore facturer, on ne peut pas dire que ça passe en régie. Donc justement, la maintenance, manage WP, dès que le premier site est sorti, et la régie consiste, c'est tout ce qui est petites demandes qui sont venues après ou hors scope de base, où là on a une interface, j'avais une capture d'écran, elle n'est pas là, on a une interface où le client peut suivre le temps qu'on passe pour lui jour par jour. Ah, mais je les ai. Manage WP et l'interface en question qui est faite en WordPress aussi pour gérer les demandes du client. Alors, que retenir de cette expérience ? L'apprentissage, évidemment, que ce soit en production ou même moi-même en gestion, travailler pour un aussi gros groupe, évidemment, on apprend énormément. La satisfaction client... ils nous ont recommandé un site, le site nmc.eu, donc le site corporate. Donc j'espère qu'ils sont contents s'ils continuent à travailler avec nous. L'équipe, d'avoir sorti un client aussi important, aussi grosse référence, évidemment. L'importance du choix des extensions, même si on pensait être un bon exemple, on n'utilise que les extensions qu'il faut pour les grosses fonctionnalités, on a vu qu'un mauvais choix peut nous faire perdre des jours, voire des semaines de debug et de développement en plus.
Et last but not the least, cette proposition professionnelle qu'on peut continuer cette proposition qu'on peut arriver à donner à des aussi grands comptes en étant une petite structure de 5 personnes et en se basant sur des solutions qui viennent également de petites structures. J'en ai pas parlé, mais pour ce cas-là, on est hébergé sur un dédié chez O2 Switch. Les plugins sont pas tout le temps faits non plus par des grosses sociétés, et moi j'avoue que je trouve ça assez jouissif de pouvoir répondre à une demande comme celle-là. Voilà, merci, j'espère que vous n'avez pas trop faim, que c'était pas trop long. Ça c'est les 4 URL des sites en question, et voilà, bon appétit, merci. S'il y a une ou deux questions avant d'aller manger. Non, vous l'attraperez pendant le repas. Si. Est-ce que vous avez mis une solution de cache WordPress et de cache serveur nécessaire pour fonctionner avec ce site en fonction de la fragmentation? On utilise Rocket dans les modules, je sais pas, WP Rocket. Oui. Maintenant, au niveau du serveur, je crois que côté O2 Switch, c'est aussi prévu. Mais oui, c'est WP Rocket dans ce cas-ci qui gère ça. Ouais. Bonjour, merci pour votre présentation. Une question très simple. Pour répondre à un projet comme celui-là, vous dites que vous êtes 5 dans votre équipe. Qui compose ces équipes? Quel rôle, quelles compétences au global? Moi, je suis le gérant. Je ne fais plus que ça. Donc, je ne fais plus de la production. Et l'équipe, en gros, c'est 2 designers, 2 développeurs. Avec un des designers qui est un peu hybride et qui fait un peu les deux. Donc voilà, c'est un peu moitié-moitié en termes de développement et de design pour les 5. Merci beaucoup, Benjamin. Je monte, non ?